Je partage mon crâne avec un tyran qui sabote mon bonheur quand j'en ai trop. Il sait pourtant parfois se rendre attirant, mais sa colère me grille souvent dans le métro. C'est marqué dans ses yeux, laissez-moi tranquille, alors que moi j'essaie de vous apprécier. Dans la rame il pourrait faire au moins 30 kills si l'un d'entre vous venait pour m'agresser. Une bouffe entre potes dans un resto chinois, lui il veut pas, alors il m'empêche d'avancer. Il voudrait se tripoter en restant chez moi, je sais jamais quoi dire, il m'entraîne dans mes pensées. J'ai plein de projets mais il procrastine, il me ralentit et traîne avec mes démons. Il me fout la pression quand j'arrive au casting, et si je rate il m'attend tout à la maison. Mais qui sait si, pour qui s'explique? Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. J'ai des doutes, un putain de moral en dents de scie. Je me demande si je serais bien moral autopsie. Je canalise mes émotions toxiques et je fais mon autopsie. Canalise comment on rate autant de cibles. Dis-moi, comment on fait pour réussir? Moi j'ai pas ce truc du répondant. Comment on fait pour réussir? J'ai du mal à structurer mon plan. J'ai essayé de rester focus, faut qu'une étincelle pour que le brasier démarre. Y'a pas d'ocus pocus, mais si je trouve la solution motus, je veux pas que vous ratiez des marches. J'ai toujours voulu en faire trop, moi, briller sur toutes mes facettes. Serait terrible si t'en m'effaçais. Non, s'il vous plaît, d'où mes passettes. Fin, j'en ai rien à cirer quand même. J'envisage d'être une image qu'on admire, mais j'ai besoin d'être assuré quand même. Car je vis dans le mirage de mon avenir, ouais. Je vis dans le mirage de mon avenir, ouais.